Bonjour, Magali Botchel Medicanal, aujourd'hui à bord d'une vedette normande construite en 84. Coque en polyester et une superstructure en bois. Ceci est le cockpit central, hauteur sous-barreau 1,75 m, poste de pilotage bâbord intérieur. Et sous le plancher, Mercedes 75 chevaux. Voici une vue vers l'avant qui est donc le carré et les couchages. La montée d'escalier vers la plage arrière et ensuite vous avez le couchage arrière. Une vue générale. Inland Cruiser. GRP Hull Wood Superstructure. This is the access to the saloon and a galley. 175 headrooms in the cockpit and here 180 centimeters. Couchage en V, V-berth, 2,40 m de large par 1,60 m de long, 240 wide by 160, et deux couchages simples de chaque côté de la table, and two single berths, each size of the table, basically for occasional guests. Let's have a quick look of the interior. Galley with three burner gas cooker plus an extra electric cooker. Cuisinière gaz trois feux supplémentée d'une petite plaque de cuisson électrique. Suffisamment de rangement de part et d'autre. Plenty storage. Et le frigo Trimix, a Trimix refrigerator, steelwork on gas 12 volt and plugged on the main. Vedette idéale pour de belles vacances dans le midi. Notez qu'il n'y a pas d'eau chaude à bord, uniquement de l'eau froide et une douche de cockpit. Note there is no hot water on this boat. Now, access to the aft cabin. Maintenant, nous allons descendre vers la cabine arrière. Cabine de un lit d'1,10 m par 1,87 m et une hauteur sous barreau d'1,70 m. Berth is 110 by 187 and headroom 170. Opposite, manual heads, cold water. Et voici le cabinet de toilette, WC manuel et lavabo eau froide uniquement. Voici, pour plus d'informations sur cette vedette, contactez Magali.